Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite rythmique funky sympa avec on va même inclure un bend à l'intérieur de la rythmique, mais ce mec est fou, d'accord? Donc si la tablature t'intéresse, elle est là-haut dans le Unino Club. Donc tu n'as qu'à créer ton compte gratuit. Enfin, tu rentres ton email, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit. Tu vas trouver plus de 200 tablatures de 200 et 200 vidéos YouTube sans la pub. Donc 2 heures de formation gratuite et des tablatures de backing track. Et si le sujet du jour t'intéresse, il y a une formation funk où tu trouveras à peu près tout ce qu'on va voir dans cette vidéo en beaucoup plus développé. Tu as aussi dans la description ma suggestion lecture en fait pour si jamais tu veux pour les livres de musique et des livres autres que de plein de sujets différents. Voilà. On va mettre le focus, je vais te mettre le plan au tableau, d'accord? Pardon, hop. Voilà, donc en fait je te joue le truc comme ça, seul, sans le clic, et après on mettra le clic. Donc en fait, comme tu l'as compris, comme c'est écrit, de toute façon, on est en reset, d'accord? Ok? Donc en fait, on va faire un reset tout ce qu'il y a de plus bateau comme ça, quoi. Tu vois, juste fondamental, tierce et septième. D'accord? Et en fait, là, donc, t'accroches de double, là, tu fais l'accord, bas étouffé, et tu remontes en faisant l'accord. Et tu auras ça au début de chaque mesure. Et là après, on va essayer de faire ça en skunk comme on l'a vu dans une rythmique la semaine dernière. C'est-à-dire que je joue, en fait, je gratte toutes les cordes, pardon, mais je joue qu'une seule note. 1. Donc la base du riff, c'est ça. Après, on va rajouter, en fait, là on est en reset, on va rajouter ce petit, la tierce mineure, mais on va la monter un peu façon bluesy, tu vois. Je me souviens plus, y a un morceau de, je crois que c'est Diana Ross. Je demanderai à un pote, mettez-moi le nom dans le commentaire. Ah, je me souviens plus ce que ça fait. Je ne sais plus ce que ça fait. C'est un truc de Diana Ross et Ike Nwutin. Je sais plus. Je demanderai à un pote. On le faisait avec mon groupe. Ça. Le cocotte était vachement intéressant. Sais plus ce que ça fait. Je m'en souviens plus. Bref. Donc là. Mais attention, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, tu vois, j'ai mis un demi-ton, mais en fait, c'est pas vraiment un demi-ton, c'est un peu entre les deux, en fait. Et c'est sur le temps. Et en fait, ce sera la même chose sur la troisième mesure, et sur la quatrième mesure, tu vois que on va faire quatrième double et deuxième double, tu vois, pour relancer. Tu vois? Tu vois, et là pareil, je fais le skunk, hein. Tu vois, j'étouffe. Tu vois? Et si je mets le métronome, le tronome met, comme dirait l'autre, on va mettre 80. 1, 2, 3, 4. Euh, 80, ça fait lent.
Donc j'espère que cette petite rythmique t'a intéressé, d'accord ? Si tu veux plus de rythmique dans le genre ou plus de cours dans ce genre-là, tu as ma formation Funk débutant. Voilà, bon, c'est marqué débutant, mais bon, on voit quand même des concepts, les triples croches, les trucs comme ça. Voilà, et je te dis à demain pour une autre vidéo sinon. Bye, ciao.